Salut à tous, c'est Dragon, aujourd'hui on se retrouve pour un nouvel épisode sur Shift 2 tout simplement. Donc eh bien, on va continuer tout simplement les courses qu'il y a à faire. Donc voilà, là on est en mode rétro, donc du coup c'est pas vrai que j'ai pris le golf GTI MK1. Mais là je pense qu'on va dire au moins essayer de faire les 3 courses qui sont là. Ça sera déjà pas mal, après on verra s'il nous reste encore un peu de temps ou pas. Et après tout simplement on passera à la suite. Donc déjà on a déjà pas mal d'argent, donc ça c'est cool franchement. Donc, ça c'est génial. Donc d'après enfin de ce que j'ai pu tester, de ce que vous avez pu voir sur la vidéo, la Golf en version beurre, parce qu'elle est en mode beurre, pas en mode normal, donc déjà elle est vache. Yeah.
du grand n'importe quoi. Qu'est-ce que tu veux que je fasse, moi, avec ça? Ah, comme par hasard, fais directement un demi-tour, je prends juste un peu l'herbe. Et le reste, et encore, comment veux-tu que je fasse? Voilà, faut que j'aille la régler, sans doute, parce que mon ami... avec des bons réglages, parce que là, franchement... c'est pourri. Je l'adore, hein, franchement. Ah, merde, c'est pas ça. C'est pas amélioration, c'est réglage. Créer des réglages. Ouais. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Les angles de braquage. Ouf, quart de sol. C'est quoi, plugage différentiel en accélération? Peut-être si on augmentait un poil. L'aérodynamisme. Ah, en vitesse ou en virage? On va peut-être essayer. Pour le moment, le virage c'est un peu beauf, alors bon. Pourtant, ça arrive. Pas être trop mal. Rapprochement, amortisseur, non, les amortisseurs prend. Allez, amortisseur, amortisseur, transmission. Ah ben voilà. Ben on va quand même essayer de mettre quand même. Ouais, je pense qu'on aurait pas été trop mal, là on va essayer ça. Voilà. Voilà. Allez hop, on va essayer de voir après. On va retester pour voir, mais je pense qu'à mon avis avec une bonne... bon aérodynamisme quand même, vu que j'ai pas été trop fort en tout, mis à part peut-être dans le dans la transmission, mais sinon le reste j'ai plutôt laissé de base pour éviter de trop exagéré. Et là franchement ouais, on est pas mal sur une vitesse max. Je reprends les gardes au sol et j'ai plutôt bien de base. Qu'est-ce qui s'est passé? Là j'ai rien compris. D'un coup, je poum. Le circuit est pas évident, mais si tu l'appliques, ça va. Yeah.
c'est bon, c'est bon, elle est pétée. Ça c'est fait, on arrête et on passe à une autre course, hein, parce que franchement, on va passer 10 minutes à essayer de faire des réglages, toujours me casser la gueule et le reste, je vois vraiment pas l'intérêt. Donc là, le rétro, je crois qu'à mon avis, je vais peut-être essayer de voir pour autre chose. Voilà, hein, on va peut-être faire... Pour bien figurer dans ces courses chronométrées, on prête une Lamborghini Aventon, une Mercedes Torlimos et une Barquette Caterham. Allez, à toi d'affoler le chrono, vénard. Et les phares, accélère. Et ben voilà, on va y aller. Ça sera peut-être pas si mal. 1000, pour eux, c'est déjà mieux que rien. J'ai essayé de changer un peu de course, parce que franchement, les rétros, je crois qu'à mon avis, je revienne, mais après... avec une autre bagnole, parce que comme il disait que la version World n'est pas la plus facile. Les plus grosses difficultés de ce tracé sont généralement les pas de la mi-parcours. Employeur, reste à bonne distance des rails et ça va aller. Bonne chance. Voilà. M. Et M. On va pas être trop mal au bout d'un moment. Elle freine pas, c'est quoi quelle bagnole? Elle a pas de frein. Ah, en plus elle arrête pas de chasser non plus. Qu'est-ce que tu veux que je fasse moi avec ça moi? C'est
quand tu veux faire du drift, ça ne pique pas. Et comment dire, quand tu fais des circuits comme ça, la voiture n'arrive pas de chasser et tu fais drift. Qu'est-ce que tu veux nous faire toi avec ça? C'est vraiment chiant et pourri, mais bon. Que veux-tu? Riviera, porte boucle. France, ouais c'est ça, je veux que ça soit du Monaco. Miami, SLR McLaren, ouais non. Je crois que je vais peut-être plus voir après. Excellent! Tu viens d'obtenir une chance d'accéder à la catégorie des modernes B. Mène cette Chevrolet Corvette à la victoire sur le circuit de Catalogne et tu gagneras le droit d'affronter des voitures plus rapides sur des tracés plus exigeants. Eh ben, on va prendre ça et puis voilà. 10 000! Ah ben voilà, ça c'est mieux ça! On se préparera après pour le moderne B, on fera le reste après. Je vais sauter quand même quelques courses parce que bon, la plupart c'est bon. Franchement, il y a mieux quoi. Aujourd'hui, on course sur le Barcelone National. Attention, arrive pas trop vite dans la chicane, il y a des virages qui finissent de descendre. Une fois bien tracé, on repart. Ah, bien sûr.
30 secondes parce que c'est j'ai le son qui est un peu vachement fort là, je trouve. Chier le bagnole de merde là! Qu'est-ce que tu veux réussir toi avec ça? Oh non, je recommence pas, merde! Ah, c'est bon, j'arrête pour aujourd'hui, rien à voir. C'est bon, alors bagnole toute pourrie là! Hein. Ils te donnent des bagnoles toutes pourries pour même pas avancer! Franchement, c'est vraiment un parcours de merde! Ah, tu parles? Ah, moi j'arrête là pour aujourd'hui, non! Pas pour faire une moderne muse. Trop fort. À toi la catégorie des modernes B. Tu peux me croire, tu me rabats des voitures aux performances bien supérieures. Comment on peut le faire en plus, hein, même pas besoin de faire une course. C'est n'importe quoi, tu vois. Hein, si tu veux, je peux un coup de sauter et faire directement la vitesse moderne, hein, tu vois. N'importe quoi, mais bon. Allez. Moi, je vous laisse sur cet épisode. C'est l'air plutôt assez chiant, franchement.